Tandis, est-ce que vous pensez que plus un système est géré, et plus le risque est important? Non. Parce que si c'est non, pourquoi donner dans ce cas-là un chiffre à 70, 80, 90? Normalement, il y a des choses qui se font en pratique, mais qui n'ont aucun sens. Par exemple, écoutez, vous travaillez par exemple avec un chirurgien cardiaque, vous êtes fait à l'école populaire, le chirurgien cardiaque vous téléphone. Si je vous dis ça, parfait, tout simplement ça. Ça nous arrive. Eh, mais c'est pas normal, vous ne nous avez pas dit le. Bon, vous dites justement qui est significatif, qui est chiant, vous n'avez pas donné le. Combien? Est-ce que c'est 80, 90? Ou bien 70? 70, 80, 90, ça ne change rien. C'est la chose la plus importante. D'accord, c'est pour ça que moi, ce que j'ai le message à vous dire, c'est que quand vous rédigez un compte rendu, si vous ne mettez pas l'histoire à 80%, c'est pas grave. Le plus important, par contre, pour que la sténose soit serrée. Serrée, ça veut dire supérieur à 70% en diamètre. D'accord? Ça qui est le plus important. Que des fois, si vous ne mettez pas de. Pas du tout de chiffres, c'est pas grave. Quand vous dites juste un serré, ça veut dire super façon, c'est pas la peine de dire qu'il est à 90, ça ne change en rien. De toute façon, la caractérisation d'une plaque à risque, le degré de sclérose, n'est pas considéré comme étant un facteur de risque. D'accord? Ça, c'est des choses pratiques qui sont très importantes. Alors maintenant, par contre, le degré de sclérose varie. L'importance de la chose est en fonction du patient. Si le patient est asymptomatique, et si le patient est asymptomatique, ce n'est pas la même chose. Ou, imaginez, vous vous trompez entre, pour un patient asymptomatique, vous dites systéro à 50% et systéro à 80%. Ça, ce n'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Si c'est des plaques qui ne sont pas à risque, en fait. Parce que vous n'allez pas les opérer. Par contre, si vous vous trompez, c'est un patient qui a fait un événement neurologique. C'est un patient qui est symptomatique. Vous dites un patient à 80%, il faut l'opérer. Par exemple, si vous dites 40%, qui vous dit qu'il n'est pas, qui est modéré, vous ne l'opérez pas. Et le symptomatique, on opère à partir de 50%. Ça, c'est important. Une sténose, bon, vous allez voir dans les recommandations, une sténose symptomatique, à partir de 50%, on a le droit d'opérer. Par contre, l'asymptomatique, même s'il a 80%, on peut ne pas le faire. Mais s'il y a des signes en faveur d'une plaque à risque, on va tout à l'heure parler, vous pouvez proposer de l'opérer. Donc selon que le patient est asymptomatique ou non, le degré de sténose est important. Par contre, une sténose qui est asymptomatique, il faut dire ce que c'est qu'asymptomatique, qu'elle soit à 80-90%, pas de problème. Le gros problème que vous allez avoir vous, c'est avec le chirurgien et avec le malade. Parce que le problème, si vous avez un rétablissement optique à opérer, le malade il a une sténose à 70%. Oh, il vous dit, écoutez, moi je ne parle pas de malade. Ou avec le chirurgien. Donc ça c'est des choses, de, je vous le dis, hein, ça c'est des choses de tous les jours. Ah, il va faire un AVC. D'accord, le problème est là. De recommandation, maintenant, un patient qui est inscrit à 70%, s'il est asymptomatique, vous lui faites tout ce que vous voulez, pontage coronaire ou remplacement valvulaire. Mais je sais que le problème, beaucoup de relations scientifiques avec les chirurgiens. Bon, on peut en parler, est-ce qu'un patient qui est candidat à un pontage coronaire, vous êtes obligé de faire un doppler? Non. Mais si vous ne le faites pas, le malade, il va jamais être opéré. Alors là, maintenant, il faut le voir comme une nonne et comme une statue. Les recommandations, je pense, scientifiques ne sont pas établies. Surtout, vous avez un pontage, si vous avez un syndrome coronaire aigu à opérer, il ne faut pas faire de l'opérative. Donc, le patient est assez problématique. C'est la plus. Alors, on va aller rapidement, hein, parce que là, sinon, on va prendre beaucoup de temps. On va parler des territoires qui sont qu'on peut explorer en général. Vous pouvez m'arrêter quand vous voulez. Hein. Est-ce que derrière, il y a des problèmes? Donc vous avez le tronc artériel brachiocéphalique, si vous voulez, on commence par le TABC. Alors les lésions du tronc brachiocéphalique sont extrêmement rares.
verra, on verra où je suis. Donc, mais il faut savoir qu'on peut, si vous voulez, on peut visualiser les trois braques céphaliques facilement chez les patients. Donc, les mamans commencent par les trois braques céphaliques. Alors, surtout si une patient symptomatique, surtout si elle a fait un AVC du même côté que le TAVC, c'est-à-dire à droite, il faut absolument voir les trois braques céphaliques, ça n'a pas de sternum. Mais je vous dis, les sternums des trois braques céphaliques, ils sont rares. Soit des signes directs, soit des signes indirects. Donc, en général, sur le plan anatomique, la carotide commune droite, elle est aisément. Peut évaluer la carotide gauche parce qu'elle est au niveau de la base du cerveau, de la base du cou. Par contre, la carotide commune gauche, elle est intrathoracique, donc on ne peut pas la voir. D'accord? Une chaleur de la carotide commune, c'est rare parce que généralement ça touche l'origine, syndrome de l'arche aortique. Donc on ne peut pas voir la carotide commune, sauf si on utilise la sonde cardiaque. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut dégager les différentes vaisseaux qui naissent de la crosse. La sous-clavière, la carotide commune, le tronc bacrocéphalique. Mais ça, généralement avec la sonde cardiaque. Et pour la sonde vasculaire, vous ne pouvez pas, parce que la sonde vasculaire, la profondeur, vous n'allez pas plus que 5 cm. Tandis qu'avec la sonde cardiaque, vous pouvez avoir plus de 10. Donc la sous-clavière gauche, c'est la même chose. Donc la sous-clavière gauche, elle a une origine intrathoracique. Alors la droite, elle est la base du cou. Les artères vertébrales, c'est la même chose. La droite, on la voit facilement parce qu'elle est de l'artère sous-clavière droite, alors que la gauche, elle est intrathoracique. L'intrathoracique, elle est de l'artère sous-clavière gauche. Généralement, elle est intrathoracique. Alors, les problèmes aussi, ça peut concerner la bifurcation carotidienne. Soit elle est haute, dans ce cas-là, quand la bifurcation carotidienne elle est haute, on ne peut pas avoir plus d'un 2 cm. Et alors, il y a des patients qui ont des bifurcations carotidiennes basses. Là, vous pouvez voir la carotide sur 3-4 cm. Mais aussi, le cou. Alors, plus vous avez un cou qui est long, généralement, l'examen est plus simple. Alors, quand nous passons à un sujet qui est un cou qui est court et obèse, là, je vais vous montrer des astuces comment il faut, des fois, sans passer de la sonde vasculaire et passer à la sonde cardiaque. D'accord ? Parce que la sonde cardiaque est profonde. Vous allez perdre un peu, vous allez perdre la qualité de l'image, par contre, vous allez pouvoir enregistrer les mouvements. Donc, on peut utiliser la sonde cardiaque dans certains cas, dans les carotides. On va vous donner quand est-ce qu'il faut étudier. Alors, donc, vous voyez ici qu'on a rémunéré, donc généralement, les clavicules sont à ce niveau. Donc, vous voyez la carotide commune gauche, là, en intrathoracique. La sous-clavière, la vertébrale droite elle est plus haute que la vertébrale. Bon, la vertébrale droite on la voit mieux que la gauche. La sous-clavière, vous voyez, elle est plus basse la gauche par rapport à la droite. Donc la même chose, donc vous voyez les segments de la carotide interne. Donc la carotide interne, on évalue généralement que les 2 premiers centimètres, 3 maximum. Donc vous voyez, il y a plusieurs portions, donc la carotide interne en général, il y en a 4. Alors la carotide interne, elle pénètre dans le rocher, on appelle le segment intrapétreux. Alors là, on ne peut pas la voir parce qu'elle est à l'intérieur du crâne, sauf si vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'évaluation par le Doppler transcrânien. C'est la sonde cardiaque, vous mettez le module, il y a un ajustement des fréquences, de la puissance des émissions. Donc on peut voir, si vous voulez, la carotide intracrânienne. Bon, si vous voulez, on peut vous montrer. Donc, passons soit par l'os temporal, si certains patients, généralement, on a l'ordre de 80%, 90%. Il y a certains patients qui ont l'os temporal et les calcifications, les EPEP, des fois des difficultés. Mais généralement, en 80%, on arrive à voir la carotide interne intracrânienne et même l'origine de l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale inférieure. Donc, on peut compléter voir indirectement le siphon carotidien. Donc ici, une fois que la carotide interne pénètre dans le siphon carotidien, vous avez ici le polygon de Willis sur la carotide interne. On va donner la première branche de la carotide interne, c'est l'artère auriculaire. Après, vous avez la cérébrale inférieure et la cérébrale inférieure. Bon, enfin, vous le savez, donc, les sondes actuellement, ici, c'est le centre des sondes électroniques. Donc, il y a des inconvénients, de voir la sonde cardiaque et même de voir le mode de Doppler transcrânien. Donc, voilà, généralement, les trans supraoptiques, en général, c'est entre les deux barres. Donc, on
l'agression à partir du groupe, dans certains cas, on a vu sur la chocotte, voilà les vaches. Alors, l'artère vertébrale, bon, est-ce qu'il faut la voir dans tous ces segments? Généralement, le plus souvent, l'athérome, vous savez, ça touche l'origine. Hein. Donc, le segment V0, si on se tient, V1, c'est avant que l'artère vertébrale pénètre au niveau de l'espace intertransversal. Dans le V0, V1, vous avez V2. Alors V3, c'est au niveau de la boucle de sécurité là. Donc vous avez une boucle ici. Après, vous avez l'artère vertébrale intracrânienne. Donc ici, voilà la boucle. Donc ça, c'est le V4. V4, c'est la portion intracrânienne de l'artère vertébrale. Là, bien sûr, c'est une boucle oscillographique, mais on peut faire son Doppler transcranien par une approche. Postérieure ou de proximité, on peut voir les artères vertébrales intracrâniennes et là vous avez le tronc basilien. Okay. Donc en général pour l'artère vertébrale, ça c'est surtout des patients qui ont des symptômes, qui ont fait des AVC. Et en général de façon routinière, l'examen des artères vertébrales se fait au niveau de l'œuvre-origine. Quand la carotide ne va pas se passer à faire généralement, les lésions de l'artère vertébrale sont exceptionnelles ici. En fait, l'athérome touche l'origine, sauf dans certaines pathologies, bien sûr, il y a des dissections de l'artère vertébrale, et là, par contre, on peut avoir des thrombose à ce niveau. Ça peut donner donc des sujets symptomatiques. L'athérome, en général, c'est 90% de l'origine. Donc ici, on peut voir chez des patients qui ont une crosse qui est un peu haute, on peut voir même avec une évolution vasculaire, on peut voir même la crosse. Mais ce n'est pas tous les patients. La crosse est. Donc en général, les indications de l'examen, donc chez les patients qui sont symptomatiques, bon, vous voyez que dans le bilan de la maladie athéromateuse, donc vous avez vraiment un bilan proche à l'endroit, et bien entendu, quand vous avez un souffle en général, le carotidien, vous avez également une anisotension plus grande, surtout les patients qui ont été opérés. Alors, pour moi, les candidats à la chirurgie des bandages coronaires, ce n'est pas les carotides qui sont importants, en fait. Et les artères sous-clavières. Parce que si on passe à côté du sténose serré, on voit 50 ans sur une artère mammaire, vous allez avoir un gros coronaire. D'accord, on en voit souvent. Bon, souvent, on voit, ce n'est pas exceptionnel, où le malade garde toujours une angine de poitrine post-opératoire. Et pourtant, on a bien, si vous prenez le dossier du patient, vous trouvez que le sténose serré, la sous-clavière à l'origine. Avec même un problème. Et le chirurgien gardien qui l'opère, après il n'est pas malade que bon, il va vous faire la démarche teinte. Donc attention, il faut bien dégager l'origine du sous-clavier. Surtout très vertébral. Parce que dans le système qui est serré, on va utiliser un bandage mammaire. Avec l'artère mammaire est née de l'artère sous-clavière, donc automatiquement le débit de l'artère mammaire va être bas. Il est exceptionnel que le chirurgien demande le calibre de l'artère mammaire. Il y a 10 jours, il y a un chirurgien qui avait demandé un calibre des artères mammaires parce que le malade avait un syndrome de Lurich. Donc on ne voyait pas à l'angiographie, enfin au scanner, des artères mammaires, mais on peut le faire. L'artère mammaire, on peut l'avoir facilement avant l'opération. Mais dès que le malade est opéré, on ne voit plus les artères mammaires. Pourquoi? Parce que l'artère mammaire, quand on l'opère, si vous rentrez au bloc opératoire, quand on fait une incision, le chirurgien va prélever l'artère mammaire avec les aides mammaires, avec toute une squelettisation de l'artère avec des tissus graisseux, pour qu'il tire l'artère mammaire vers l'artère coronaire. Donc il la détache de la paroi thoracique. Donc en la détachant, l'artère mammaire, elle est plus plaquée contre la paroi. Donc vous ne la voyez pas. Par contre, on peut la voir à l'origine, ici. D'accord. D'ailleurs, maintenant, c'est un aspect un peu moins. Vous savez qu'on faisait le contrôle des pontages mammaires post-opératoire. Alors, on faisait, par exemple, le patient s'est opéré, on enregistre le flux de l'artère mammaire en post-opératoire immédiat. Donc, on donne une ITV, l'intégrale de temps de vitesse de l'artère mammaire, on le suit. Si on voit qu'avec le temps, le malade est symptomatique, il a son ITV commence à diminuer, on peut suspecter soit une occlusion sténoïde à ce moment ou bien une thrombose. D'accord. Il faut savoir qu'à un certain moment, bon, même avec une nouvelle technologie, il y a des IRM, angiographie, tout ça, il y a des choses qui sont présentées, ça existe. Il y a même des
travaux qu'on peut faire avec les protocoles, les commandes, les surveillances. D'accord. Donc, si vous, par exemple, voyez que c'était imperméable, subitement, le fluide intercommunal commence à diminuer de façon certaine. Donc, on peut très bien savoir, un patient, donc je vous dis des choses qui sont pratiques pour vous, vous êtes des cardiologues, donc l'idée des internistes, je vais insister sur certaines choses. Pour vous, cardiologues, par exemple, si vous ramène un patient, est-ce que vous pouvez savoir un patient, si on lui a greffé une veine ou bien un pontage mammaire? Oui. Si vous ne voyez pas d'artère mammaire, ça veut dire qu'elle a été prélevée. Bon, les veines, c'est facile, vous prenez quand vous la cuisse, vous allez voir une cicatrice de la du stripping, enfin, le prélèvement de la sapène. Mais si vous ne savez pas si le malade a fait, vous pouvez le savoir, si le malade vous a greffé, on a utilisé un pontage. Si vous ne trouvez pas d'artère mammaire, si vous la voyez très bien, c'est qu'elle n'a pas été enlevée. Il y a deux mammaires, la droite et la gauche. Vous pouvez le voir si vous voulez. L'artère mammaire, au niveau de la poitrine, on avait son problème. Bon, sinon, voilà les indications. Bon, là c'est. Bon, pour vous dire que les tranches parties, il n'y a pas tellement de latérans. D'accord, latérans en général, ça touche 90%, mais il faut savoir, il y a des gens des fois dysplasiques. Dysplasie, fibromes musculaires notamment. Notamment, il peut entraîner des complications type de dissection. Avec une même. Dans les dysplasies, il y a des lésions coronaires dans les dysplasies. Et si vous avez un patient qui a fait un infarctus, il n'y a pas d'indication de métustatine parce que ce n'est pas la même maladie, ce n'est pas latéral. Alors si vous avez un infarctus chez un sujet jeune, par exemple, il y a des ce n'est pas latéral de foie. Alors il faut voir l'artère rénale, il faut voir la carotide. Alors si il y a des sclérose au niveau de la carotide qui est là à 40 ans, surtout chez des carotides qui sont intracraniennes, c'est sûr, ce doit être une dissection des lésions coronaires. J'ai un patient qui a 55 ans, qui avait été opéré il y a 3 fois. Il a fait une stent. Et après, il a fait une hypertension sévère. Après, j'ai dit, ça devait être une stent très sévère de l'artère rénale, qui n'était pas l'origine, c'était dysplasique. Et c'est là qu'on a compris que, en fin de compte, ce n'était pas d'apérant, alors qu'il était juste là. C'était dysplasique. Après, il a vu, on avait déconseillé justement au niveau du chiffon carotidien et tout ça. C'est un bon cas où il a besoin d'un tour en arrière, une atteinte carotidienne, pas latérale au niveau de l'origine, c'est moins intracrânienne. Et il avait une atteinte d'artère rénale. Donc là, quand vous faites le bilan d'un malade qui a une coronaropathie, qui n'a pas de facteur de risque, il faut des fois penser à la dissection coronaire. Donc ça peut être mieux placé pour moi, pour dire à l'angiographie ici, les lésions sont en faveur des lésions angiographiques, pas toujours, c'est difficile de voir est-ce que c'est des lésions qui sont suspectes ou non. Et le problème, c'est que dans les dissections, c'est que vous pouvez avoir une thrombose complète et 2-3 mois après, l'artère se recanalise complètement. Alors, si vous avez des infarctus, vous avez une coronarotrophie à raison normale, il faut suspecter une dissection justement chez le patient. Parce que les carotides, on en voit, on voit des thromboses carotidiennes chez les sujets jeunes, vous les reprenez. 2-3 mois après, il n'y a plus de sténose. Après, vous dites en fin de compte, cette malade-là, le premier qui a fait les protocoles, il a peut-être. Il est passé à côté. Non. Elle existe. Vous voyez, moi, je peux vous montrer des images des patients que j'ai. Je dis en des sténoses. Non, la carotide, ils ont fait un ABC. Je vous assure qu'on refait un Doppler et refait un endoscan. Tout à fait normal. Puisque je vous parle au cardiologue, je peux vous dire, essayez d'extrapoler ça pour vos malades. Si vous avez un patient, un infarctus du sujet jeune, pensez à des dissections également. Bon, il y a l'arthropathie inflammatoire aussi. Il y a les arthropathies radiques, c'est des patients qui ont été radiés pour les maladies de Chine, tout ça. Là, bien sûr, généralement, c'est dans des lésions symptomatiques, on ne les opère pas, on leur fait des stents, d'accord. Bon, les maladies d'enfant, ça c'est autre chose, plutôt dans le cadre de alors voilà, est-ce qu'il faut faire de façon systématique un échodoppler avant chirurgie cardiaque? Pas de façon systématique, voilà. Déjà, vous avez des articles qui sont très loin, voilà. Donc on ne peut pas l'utiliser, donc vous voyez ici. C'est-à-dire, chez le sujet asymptomatique, ce n'est pas systématique. Par contre, si le demain, le patient fait des symptômes, et ça, donc, c'est en fonction des symptômes ou non.
Puis il y a des symptômes, il faut le faire. Il n'y a pas de symptômes, ce n'est pas systématique. Voilà, vous voyez les recommandations. Si vous avez par exemple un patient qui a une stérose carotidienne, qui a des patients qui nécessitent un pompage coronaire urgent, bien sûr, là, c'est symptomatique, il n'y a pas d'indication à faire des conopères. Le problème, c'est qu'on vit, le problème, c'est des malades qui ont des fois qui sont refusés pour ce type de bilan. Le malade, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, alors qu'il a des soucis importants. Voilà. Donc, ici, pour les recommandations, la même chose. Donc, si vous avez une sphère serrée de la carotide, même si elle est à, vous voyez, à 99%. Vous voyez, les recommandations, il ne faut pas toucher. Pour deux ans de plus, il ne faut pas les dépister. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, par contre, on va voir quelles sont les sténoses carotidiennes qui sont, d'après les recommandations, qui sont à risque. C'est-à-dire, quelles sont les sténoses carotidiennes asymptomatiques qu'on peut proposer pour la chirurgie. Alors, les sténoses carotidiennes qui sont considérées à risque, premièrement, ce n'est pas les podoplères. Bon, les podoplères, il y a des choses qui sont importantes. Mais ce n'est pas ce que vous voulez, ce n'est pas les podoplères qui vous. Si vous voulez, si vous avez un compte rendu où vous lisez plaque carotidienne à risque, bon, il y a des fois où on dit plaque carotidienne à risque. Qu'est-ce que c'est potentiellement vous gêne. C'est ça qu'il faut voir. Alors la première chose, c'est le plan clinique. Il faut savoir que si le malade a une sténose carotidienne, alors ipsilatéral ou bien contralatéral, ipsilatéral, il est le même côté que les symptômes, contralatéral. Alors, si vous avez un patient qui a un événement neurologique contralatéral, c'est-à-dire que ce n'est pas la sténose qui a parlé, déjà, cette sténose-là, elle est considérée à risque. Je vais m'expliquer, ce malade a fait un AVC. Donc, stroke, c'est un AVC. TIA, c'est un accident ischémique transitoire. C'est l'événement neurologique. Alors, généralement, quand on vous dit TIA, AIT, qu'est-ce que ça veut dire AIT? Le plus souvent, c'est deux choses. C'est un accident hémisphérique, du même côté que l'astéron, enfin, l'hémisphère, du même côté que la lésion, soit. C'est une hémiparésie, par exemple. Ça peut être une hémiparésie, ça peut être une monoparésie. Ou bien, la chose importante, c'est l'amorose transitoire. C'est une hémianopsie au bout d'un calore. Et là, on n'a pas tendance à insister sur ça. Dans le malade, on dit qu'il y a une partie de l'œil qui est. Tu n'arrives pas à voir, il est un grand noir. Ça, c'est l'équivalent d'un événement neurologique. Parce que quand vous avez un AVC, le bénéfice de la chirurgie carotidienne n'est pas important. Et quand vous avez un infarctus, et vous faites un échographie, il n'y a pas d'ischémie. Moi, si vous avez l'impression qu'il y a une événement carotidienne serré, que le malade est négligé, il ne faut pas toucher, il ne faut rien. L'AIT, c'est un titre préventif. Généralement, dans toutes les accidents carotidiennes, de façon, c'est des symptômes. Et le plus souvent, alors le problème c'est qu'il se pourrait que le patient fasse des symptômes la nuit. Alors c'est pour ça que je vais vous parler maintenant de l'imagerie cérébrale. Il faut rechercher de l'infarctus silencieux du même côté de la sténose. D'accord? Bon, normalement, une sténose carotidienne, on doit faire un scanner pour savoir si le malade n'a pas une atteinte cérébrale. Soit le scanner il peut être normal, soit le scanner il y a des lésions qui. Peuvent éventuellement être évocatrices d'infarctus anciens, du même côté que l'astéron. Donc on fait un scanner, donc on cherche des symptômes contralatéraux. Et maintenant vous avez d'autres critères, sont des critères ultrasonographiques. Alors ces critères ultrasonographiques, c'est très difficile à dire qu'il y a une progression du sténone à 20%. C'est l'équivalent des rétrécissements aortiques. Vous savez, quand il y a une indication opératoire, je pense, vous n'êtes plus. Peut-être que moi, avec le rétrécissement à l'hôpital, quand vous avez
le gradient des vitesses augmente. Je pense que parmi les indications, l'augmentation des vitesses est considérée comme des rats qui sont qui se cherchent là, c'est une indication. Bon. Par contre, en pratique, là le problème c'est qu'il y a une correction d'angle. La vitesse elle varie. Aujourd'hui, vous abordez une vitesse à 40, demain vous abordez une vitesse à 20, ce n'est pas tout à fait les mêmes vitesses. Donc on a tendance à dire que les vitesses augmentent ou diminuent. Bon, il faut retenir que les stéréos qui progressent de plus de 20%, ça fait une stéréos oui. Pour dire que si on se pose les signes, c'est le délai entre deux examens. Non, il n'y a pas de délai, la vertu. C'est pour ça que je dis que c'est difficile. Pour dire que généralement, c'est non-géographique. C'est-à-dire, si vous pensez que la stéréos a évolué, c'est-à-dire, pourquoi c'est un critère à risque? Pourquoi le malade, il a 60%, mais il passe à 80%, c'est pas la stéréose elle-même qui est à risque. Parce qu'il y a des choses qu'on appelle des hématomes dans la plaque. Quand il y a un hématome intraplaque, la lumière, il y a une réduction de calibre. Et quand on a un hématome intraplaque, c'est là qu'il y a des événements neurologiques. Quelle que soit la chose, bon, il est une cible promettant, s'il y a une progression rapide de la sténose, probablement il y a des remaniements au niveau de la plaque. Et là, ça peut être un risque. Autre chose, bon, là c'est difficile, on appelle les... Parce que vous avez entendu parler des lombolies au niveau du Doppler transcrânien. Ça, c'est pas facile, parce qu'il faut avoir un enregistrement continu de l'artère cérébrale moyenne, avec un patient qui est asymptomatique. Pour savoir si la plaque embolise ou non, alors on lui donne un casque au niveau ici. On pouvait prendre une heure, mais c'est difficile de rejeter l'artère cérébrale moyenne pendant une heure et voir s'il n'y a pas un micro-embole. Alors un micro-embole, c'est quoi? Non, moi j'ai eu quelques cas, mais un micro-embole. Alors je vais vous donner, alors les cardiologues, vous ne pouvez pas ne pas écouter un micro-embole. Il n'y a que vous. Vous avez un malade qui est un porteur de prothèse, une prothèse mécanique. Si vous arrivez dans le circuit, je vais vous le montrer. Vous le ramenez maintenant, je vais vous montrer les micro-emboles. Alors, les micro-emboles, elles sont en fait de la micro-cavitation, ce n'est pas des emboles. C'est quand la prothèse, elle s'ouvre et se ferme, il y a dans la circulation de la micro-cavitation. Alors, quand vous mettez les ultrasons passent au niveau de l'artère cérébrale, vous allez entendre certains bruits. Et ça, ce n'est pas pathologique. Ce n'est pas de l'emboles, c'est des micro-cavitation, c'est la même chose que les hits. Les hits, c'est des signaux temporaires de haute intensité. Je peux vous les montrer, mais ils ne sont pas pathologiques. Je vais prendre une prothèse, disons c'est hits. Pourquoi? Parce que c'est la micro-cavitation. Vous allez entendre. Alors que ce soit une prothèse mécanique, elle fait toutes les prothèses mécaniques dans le sang. D'accord? D'ailleurs, c'est très simple. Si vous tombez dans le malade, si vous enregistrez. Si vous voulez essayer une chose, vous voulez savoir une prothèse mécanique. Alors, c'est quoi les hits? Les hits, ce sont des micro-emboles. Quand vous avez enregistré deux hits en une heure, il s'adresse la patient qui est en train d'emboliser. Alors, généralement, on va aller rapidement, voilà, vous avez ici c'est un Holter. Voilà, c'est un enregistrement de l'artère cérébrale moyenne par une sonde dont on peut la toucher. Donc, pour éviter que la sonde se déplace, vous avez ici un casque. D'accord. Le malade, généralement, il s'allonge et vous allez enregistrer un Holter, non pas la fréquence cardiaque, des complexes QRS, mais tout simplement des flux carotidiens. Alors, vous avez ça. Quand vous enregistrez ça, ça veut dire qu'il y a une, c'est la même chose que vous prenez le malade. Vous défilez tout l'enregistrement, il y a un logiciel. Voilà, le malade fait les micro-emboles. Donc si vous voulez, vous retenir que c'est un enregistrement à l'envers. Il y a même des fois, vous pouvez même carrément, il y a certaines sociétés qui fabriquent ce moniteur, et le patient peut même sortir de chez vous, il peut par exemple marcher, faire ce qu'il veut. Revient 2 heures, 3 heures, 4 heures, vous enregistrez à la recherche de l'huile. Le problème, c'est que ce sont des appareils qui sont peut-être un peu chers et l'utilité n'est pas très, 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 c'est pas pratique encore. Donc,
faites à Paris, les firmes par exemple. Tu vois, la plupart des firmes allemandes, des firmes américaines, il y a même des firmes chinoises, des Européens modernes, une firme française qui le fait également. Le prix, c'est à peu près 20 euros. Et alors, le bénéfice, c'est ça le problème. Est-ce que réellement, il y a un bénéfice? Peut-être ça va venir pour l'instant. Alors, quand vous voyez IC ou bien M, MET, c'est la même chose. IC, high intensity, transient signal. MET, c'est micro-thrombolique transient signal. Donc, quand vous parlez de l'intérieur, vous mettez IC ou MET, c'est la même chose. Donc, il s'agit de la modification. Bon, ça, c'est pour les IC. Alors, la même chose, vous avez une réserve coronaire, pardon, réserve cérébrale qui est basse. Alors, la réserve cérébrale, c'est tout simplement. On peut la faire en utilisant certains produits qui s'appellent le diamant, c'est un diurétique, c'est quoi la réserve coronaire, la réserve, pardon, la réserve cérébrale. Et là, en général, soit vous dites, test de base, c'est ce qu'on appelle un test de base de réactivité cérébrale. Pour le malade, vous savez, quand vous arrêtez de respirer, on a amené, vous avez le débit cérébral qui augmente. Alors, vous rapportez le maximum du débit cérébral au rapport au débit cérébral de base, et vous avez ce qu'on appelle un index. Les gens qui n'augmentent pas le débit durant l'apnée, d'accord, j'appelle le breathing holding, voilà, donc au niveau de MCA, MCA c'est le débit cérébral artérique, ben ces gens-là qui n'ont pas de réserve, et ben, c'est un risque, parce qu'ils font le micro-embole, si l'artère se bouche, le réseau de vasodilatation ne peut pas se faire. Donc, puisqu'on peut, alors pour deux personnes différentes, pour le même embole, l'autre il va faire un AVC catastrophique, l'autre il ne va pas faire d'AVC, tout dépend du polygon de Willis. La réserve cérébrale est le polygon de Willis. Quand vous avez, si vous voulez, vous voyez des patients, moi j'ai des patients qui ont une thrombose d'accord, vous avez la cérébrale moyenne, je vous assure qu'il n'y a même pas d'acidité. Pourquoi? Parce que le polygon de Willis réinjecte la cérébrale moyenne de façon extraordinaire. Donc chacun a un polygon de Willis, je ne sais pas, il y a peut-être 30, 40 polygons de Willis différents. Donc chacun a, est prédisposé, en cas d'AVC, de faire une hémiplégie importante, alors que l'autre, il va faire appel, il va faire une hémiplégie. Donc ça aussi, c'est très important. C'est pas comme le cœur où l'ischémie est importante. Le problème dans les carotides, c'est pas l'ischémie, c'est les micro-emboles. D'accord? Pas la même physiopathologie. Alors, le problème de la pourquoi la sclérose carotidienne n'est pas, si vous voulez, pour l'aide de la symptomatique, n'est pas un risque opératoire. Le problème des AVC ischémiques sont des AVC emboliques. Ce n'est pas le fait de glomper seulement. Si vous avez un bon polygon de Willis, vous glompez la horte et tout ça, généralement, vous avez moins de problèmes. Le problème des AVC opératoires, chez les sujets opérés à cœur ouvert, c'est des problèmes de clompage au niveau de la crosse de la robe. Quand vous déclompez, vous avez de l'adhérence dans la crosse, ça part. C'est pour ça que quand vous faites la chirurgie à cœur battant, vous avez moins d'AVC. Parce que la chirurgie à cœur battant, vous ne touchez pas de clompage à cœur. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on a dit à un certain moment, oh, attention, on a vu que les patients qui faisaient de l'AVC, il n'y a pas de renaissance, je veux dire, entre la sténose et l'AVC. Après, on s'est rendu compte que durant le problème se passe durant le clompage aérien. Il y a même des études qui ont été faites avec la Doppler crânien, avec un monitorage de l'artère cérébrale moyenne, et durant le clompage de la crosse, déclompage, il y a une pluie de micro-embole au niveau de l'artère cérébrale, c'est ça qui fait de l'AVC. Bon, on va repartir alors. Vous avez ici donc les riches, vous avez la réserve cérébrale. Alors, le problème maintenant, il y a les plaques. Les larges plaques et les plaques hypoécogènes. Alors, le problème maintenant, c'est que les machines échographistes, il y a un problème. C'est vraiment, il faut absolument prendre les surfaces, la mesure de surface de cavité cardiaque, on doit normalement automatiquement intégrer la surface des plaques. Je suis sûr que maintenant, ce n'est pas encore fait. Là, il faut le faire. Vous allez voir les appareils qui vont sortir dans quelques années. Vous pouvez avoir la mesure de la plaque. Parce que maintenant, la mesure de la plaque, elle est importante. Donc, plus une plaque, en dehors du caractère de la sténose, d'accord? En dehors du caractère de la sténose. Plus une plaque qui est grosse, plus il y a un risque.
Alors, je sais très bien que les plaques, je pense, sont des bêtises, c'est supérieur à 8 mm carrés, c'est des plaques qui sont enrichies. Donc, si vous avez la présence de plaques hypoécogènes, c'est des plaques enrichies. Le problème, c'est que l'œil humain ne peut pas discerner plus d'un certain niveau de gris. Donc, le niveau de gris, c'est tout simplement, c'est comme les couleurs. Alors, l'œil humain, c'est la même chose. Alors, l'œil humain, vous avez des seuils. Alors, c'est pour ça que maintenant, pour dire que c'est une plaque hypoécogénique, il faut lui donner une valeur. Donc, l'hypoécogénicité a une valeur, ce qu'on appelle le niveau de gris. Et ce niveau de gris-là, c'est un logiciel de calcul de niveau de gris. Vous voyez, par exemple, vous faites. Donc, ça aussi, ça va venir. Bon, ça existe. On peut dire, des logiciels qui existent, mais. Certainement, ils vont être inclus dans les logiciels de calcul. Alors,